point. Comment tu peux croire un truc que tu n'as jamais vu de tes propres yeux? Attends, il a dit que Dieu, vous l'avez jamais vu. Non. Comment tu peux croire en Dieu? Les arbres, les oiseaux, tout ça, c'est le bon Dieu qui l'a créé. C'est un truc trop fort. Mais attends. Comment tu sais que c'est lui qui l'a créé, qui quitte la vie? Mais attendez. Là, parce que là, il y a un débat. Lénie et Esteban, vous êtes athées. C'est ça. Vous croyez pas en Dieu. Non. Et toi, Michel et Cappuccino, ça vous va pas? Pardon? Parce qu'ils sont ici, c'est grâce à Dieu. Bon, grâce à Dieu et voilà. Toute la planète, tu crois en Dieu. Grâce à mes parents que je suis ici, c'est un... Oui, grâce à tes parents. Bah oui. Dieu, il a créé la terre, le soleil, il a créé la nature, c'est lui qui a... Ça c'est le Big Bang, vous savez, c'est scientifique. Big Bang, c'est un volant comme Big Bang. Big Bang, Big Bang, c'est... Comment tu peux croire un truc que tu n'as jamais vu de tes propres yeux? Attends, il a dit que Dieu, vous l'avez jamais vu. Non. Comment tu peux croire en Dieu, tu l'as jamais vu de tes yeux? Il y en a plusieurs en plus des dieux, donc... J'ai le sang. Non, c'est parfois là, il y a un cœur. Là, il manique au haram là. Parce que t'as jamais prié, t'as jamais eu un contact avec Dieu. Si tu rentres en contact avec Dieu, tu ressens sa présence. Mais attends, Michel, toi t'es musulman, Cappuccino. Et toi t'es chrétien. Tu m'as dit que tu croyais en quoi? J'ai dit je croyais au karma. Au karma? Mais le karma, c'est le bien ou le mal, non? C'est quand on fait du mal, on reçoit du mal. Si, de la hagra, c'est pas de la karma. C'est vrai, c'est plus de la hagra que du karma. Quelqu'un qui te fait du mal, il reçoit du mal. C'est de la hagra. Mais quand on fait du bien, on reçoit du bien aussi. Ah ouais? Nul. Quand on fait du bien, on reçoit du bien. Quand on fait du mal, on reçoit du mal. C'est qui l'a mis ta mère au monde? Ma grand-mère. C'est qui l'a mis ta grand-mère au monde? Ma grand-mère. Et ton arrière-grand-mère? Mon arrière-arrière-grand-mère. Yahoudi, je t'explique. Adam et Hawa, dans le Coran, c'est eux les premiers êtres humains. Arrête de croire que ta mère ou ta arrière-arrière, ta grand-mère ou ta grand-grand-père est lié à ces deux. C'est Adam et Ève, je crois. Hein. Mais ouais. C'est ça, qu'est-ce que vous dites? Ça y est, voilà. Oui, mais ça... C'est bon, il est converti. Voilà. C'est bon. Ça y est, t'es converti. Déjà, tu dors. Ah, moi, si tu te réveilles mouillé, moi, tu peux pas. Si tu veux réveiller, tu peux t'expliquer un truc. Tu peux pas te doucher le soir pour dormir propre. Mais passer toute la journée sans te laver et en étant sale. Parce que tu le sens pas, mais t'es sale. Mais c'est normal. T'as transpiré, t'as raison. Tu sens le sommeil, tu vois, derrière. Mais si tu vois que je suis. Même pour se réveiller, c'est bien. Mais peut-être, toi, tu te sens pas, nous. Toi, mais les gens, c'est les gens qui sentent ça. Voilà, mon frère. Bon, je vais faire un débat. C'est un vrai débat, non? C'est réel quand même. Ouais, c'est vrai. Limite, je préfère que tu te douches que le matin et pas le soir et que chaque matin tu te lèves, tu te douches que le jour où tu dors. Enfin, tu préfères dormir sale.